Moi, je suis venu remplir la mission de la population du Sénat. Comme vous le savez, c'est une nouvelle charge que le peuple vient de nous confier. Nous entendons l'exercer en toute responsabilité. Nous sommes conscients des problèmes qui agacent la population. Nous sommes conscients de la tâche ardue qui nous attend et nous allons nous y mettre avec amour, dévotion et abnégation. C'est vrai que quand on est réélu, on a beaucoup plus de responsabilités parce que on a plus de comptes à rendre, parce que là c'est un double bilan qu'il faut préparer à présenter à la population. C'est pour cette raison que je dis que à l'aube de cette législature, beaucoup de choses devraient changer. Et le premier changement doit commencer par la mentalité. Le deuxième changement, c'est le travail. Il faut se mettre au travail. Et comme nous, nous sommes des croyants, nous disons nos deux piliers, c'est Dieu et le travail. Avec cette volonté de mieux faire, nous entendons en tout cas répondre un temps soit peu aux attentes de notre population. Nous prenons cette tâche à la mesure de la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Nous avons pris l'engagement de servir en tenant compte de l'intérêt majeur de cette province du Haut-Katanga, mais de la République démocratique du Congo en général. Lorsqu'on regarde notre pays, comme il fonctionne aujourd'hui, son état, on se rend compte qu'il y a un travail à faire dans le sens de la législation, qui, à mon sens, doit être fortement socialisé. À la population, je suis là, nous sommes là, à son service. Et quel sens donnez-vous à cette quatrième législature ? L'espérance et chaque jour, je dois avancer. Là, c'est la quatrième législature. Les ambitions et les tous, selon la vision de ce que l'État, il y a évidemment des obstacles. Nous avons prié Dieu pour que nous puissions apporter un plus au changement de nos territoires pour le développement de toute la République par le travail que nous allons faire. Non, d'abord, avant de répondre à son élection, par rapport à son élection, mais ce que je voulais pas apporter comme président, c'est quoi ? Tous nos amis de la presse, vous n'avez pas aidé la population. Pourquoi je l'ai dit ? Vous êtes en train de dresser la population contre nous, les gens. Cela veut dire quoi ? La loi n'interdit pas qu'un député national ou provincial ne peut pas se faire élire comme sénateur. La loi n'interdit pas. Et quand nous regardons la manière dont vous présentez la situation dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout normal. Vous êtes en train de faire voir aux gens, non, il y a une catégorie de personnes qui veulent tout prendre. Ce n'est pas ça. Il faut commencer à expliquer au petit peuple. La loi n'interdit à personne, je le dis bien, commencer à expliquer à notre peuple. Et comme la loi n'interdit pas, si quelqu'un se présente, député national, sénateur, député provincial, il n'y a aucun problème. Il faut commencer à expliquer à notre peuple cette situation-là. Et puis deuxième chose, vous ne dites pas la vérité à la population par rapport au retard que nous pouvons connaître en ce qui concerne la sortie du gouvernement. Quand nous parlons que la Constitution pose problème, il y a déjà animé de mauvaises choses. Ils ne veulent pas dire cette vérité-là. Regardez d'abord. Le président de la République est élu. Il faut attendre quelques jours, à peu près c'est un mois ou trois semaines, pour que la Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur.
L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où le cours constitutionnel n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du premier ministre. Pour qu'on nomme le premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre père que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre nation. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Vous comprenez que le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que la situation normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent les pieds pour ne pas mettre en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me poser cette question. Et moi, j'ai développé cette question dans plusieurs états. Non, je viens de vous expliquer, vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de la presse vous a dit qu'il faut qu'on remise la conférence. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certains problèmes qui nous poussent. C'est une bonne impression de l'organisation. Il y a eu une situation organisationnelle très bien présentée et que nous sommes passés de bureau à bureau. Nous avons donné des explications et nous sommes très ravis. Notre impression pour cette législature, c'est de suivre la vision du chef de l'État. Et ça, c'est l'impression pour le bien-être de la population. On ne veut pas trop commenter, on ne veut pas faire des commentaires. Le président de la République est en train de tout faire pour créer de la sécurité dans toute l'étendue de la République. C'est ce qui nous intéresse tous et que nous allons l'accompagner pour que tout soit aux aguets et la population va à ses occupations. Merci honorable. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Ah, on boit.
La justice devra donner la ligne de décision. Qu'est-ce que vous pouvez donner une lecture? Nous sommes pendant la période des contentieux maintenant. Après les contentieux, je crois, on viendra la restituer. Il faut attendre. Nous sommes dans la Il faut bien que toutes les étapes soient franchies pour voir comment les choses vont se passer. Parce que l'élection à ce niveau, c'est ce qu'on appelle les élections provisoires. Maintenant, il faut attendre. Et on a proclamé provisoirement, c'est ce que je voulais dire, pas les élections provisoires. Il y a une proclamation provisoire des résultats. Nous allons attendre que les différentes étapes soient franchies pour qu'on arrive à la proclamation des résultats. Je pense que ça sera fait. Et nous allons nous mettre rapidement au travail pour répondre à la population suivant bien sûr la vision du chef de l'État. On en parlera plus tard. On en parlera.